Salut à toutes et à tous, c'est Viknin et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode numéro 14 de The Legend of Zelda Skyward Sword. Et dans cet épisode de Skyward Sword, les gens, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné du Skyward Sword. À vrai dire, il y a plein de raisons à cela. Le Japon, des jeux que j'avais envie de finir et donc du coup j'ai un peu délaissé certains jeux et tout. J'avais Bravely Second à terminer, Final Fantasy X, 10-2, bref, plein de jeux à la... de chez Square Enix, même si j'ai joué à des jeux Nintendo. Enfin bref, dans cet épisode, eh bien nous allons tout simplement aller voir la vieille au volant du saut, mais d'abord on va aller parler au Goron, parce qu'il a l'air intéressé par quelque chose. Tiens, comment on se retrouve? Toujours débordé à ce que je vois. Moi aussi, depuis la dernière fois, j'ai passé mon temps à étudier les mystères de ce monde. Tu veux que je te fasse part des conclusions de mes recherches? Ouais, ça peut être intéressant. Tu vas pas être déçu. En fait, au cours de mes recherches, j'ai découvert quelque chose. Waouh! Dans ce monde, il existe des murs, des pierres qui réagissent aux belles mélodies. Tu veux en savoir plus? Bien sûr! Oui! J'aime les jeunes gens enthousiastes comme toi. Avant de te parler des murs et des pierres, je dois te poser une question. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un papillon azur? Oui, normalement je sais ce que c'est qu'un papillon azur. Très bien, tu m'épargnes des explications. C'est des papillons bleus qu'on voit parfois dans les forêts, dans les donjons, je crois. Quelque chose du genre. Dans les écrans ciel, il dit que de nombreux papillons se rassemblent autour de ces murs et de ces pierres. Il semble que les papillons aient la capacité de les repérer. Tu veux en savoir plus? Oui. Concrètement, me fais pas lambiner. Tu veux que je te parle de quoi? Des murs, les pierres, on les a déjà vus, c'était avec les pierres Sheikah. Selon les écrans anciens, la déesse a dédié ses murs à l'élu. On raconte qu'ils matérialisent les souhaits du héros, on ne les appelle pas murs de la déesse pour rien. Tu veux en savoir plus? Évidemment. En fait, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Si j'en apprends plus, je te dirai. Ça reste coincé dans tes recherches. Il n'y avait pas de pierres Sheikah dans le coin? Il m'aurait semblé. Alors par contre là je vois un insecte, on va en profiter les gens. On va un peu le bousculer. Voilà. Un dynaste de Firon. Ok d'accord. Très bien. Nouvel insecte. Ça peut être intéressant pour faire du troc. Du bon troc même je dirais. Il faut aussi que... Est-ce que j'ai été parler aux démons la dernière fois? Possible. Pour la petite information, les gens, je ne sais plus vraiment où j'en suis actuellement dans le WT niveau de mes captures, pour vous dire la vérité. Donc, normalement, cet épisode, je l'ai déjà fait. Mais à vrai dire, j'ai pas retrouvé la vidéo, donc je suis un peu embêté. Donc, bref. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, mamie? Je dois saturer le micro. Tu te paies ma tête? Répète un peu pour voir. Malheureusement, tu n'es pas celui qui pourra sauver la prêtresse Zelda. Ce rôle a été attribué il y a déjà fort longtemps pour sauver le monde. La ferme! Moi, le grand Ergo, je pourrais pas sauver Zelda? Ridicule! Si je peux pas la sauver, alors pourquoi je suis venu jusqu'ici, hein? Et puis, qui d'autre que moi pourrait la sauver? Non. Oui, tu as tout à fait deviné, Ergo. C'est moi qui vais aller la sauver. Parce que toi, tu n'es qu'une petite... Tu n'es qu'un personnage secondaire, on va dire. Je vois. Tu veux dire que c'est lui qui va sauver Zelda? Ah ouais, ça ferait tellement bien cette voix sur lui. Link, me fais pas rire. Je m'en fiche que ce soit ta mission ou je sais pas quoi. J'accepterai jamais ça. Tu m'entends? Jamais! Oui, si tu veux. Alors, petit coup de coca les gens parce qu'on en a. C'est rare. Link, attends. Link, tu as pu voir Zelda? Je vois. Elle était là, elle aussi. Ah punaise, j'ai perdu la voix avec le coca, bref. Cette femme que tu as vue aux côtés de Zelda se nomme Impa. Elle a été envoyée par la déesse pour servir Zelda. Pour accomplir la mission que la déesse leur a confiée, Zelda et Impa se sont mis en route vers un lieu particulier. Mais maintenant qu'Impa a détruit la porte qu'elles ont empruntée, il n'existe plus qu'un seul moyen de les rejoindre. Tu dois utiliser le pouvoir de la lyre que Zelda t'a confié. Dis-moi, Link, sais-tu jouer de la lyre? Visiblement, non. Là, si, quand même, je sais en jouer beaucoup. Je l'ai fait au moins 4-5 fois. Très bien, je vais t'apprendre dessus mes instructions. Tout d'abord, sors la lyre avec pas. Oh, par exemple. Pardon.
Puis prépare-toi à jouer en appuyant sur A. Ouais. Je pointe la télécommande Wii vers l'écran. Ouais, je l'ai pointé vers l'écran. Oh. Ah oui, il faut suivre la note. Voilà. Fini. Bien, passons à la suite. Ah, je déteste lire les gens parce qu'il faut être concentré. Et je n'aime pas trop suivre des instructions. Enfin, si. C'est bien d'être concentré, ça permet de réfléchir un peu, mais voilà. Maintenant, joue en suivant les cercles mouvements du... En suivant les mouvements du cercle lumineux, pardon, oula. Je vais t'accompagner au chant. Ce chant sera nécessaire pour la suite de ta quête. Ok. Attention. Mais je vais assez vite, c'est bon. Ah, elle est chiante, putain. Voilà. Punaise. C'est ce qui s'appelle jouer de gauche à droite. Vous avez appris le chant de la déesse. Cette mystérieuse mélodie provient des temps anciens. Ouais, t'as juste à faire gauche à droite et tu t'obtiens le chant de la déesse. Quoi, sérieux? Alors je peux appeler la déesse comme ça et ouvrir des chemins particuliers? Pourquoi pas? Ah, on peut passer. C'est intéressant, ça. Maintenant, je le saurai quand j'avancerai dans le jeu. Personnellement, tout seul. L'instrument que tu portes, c'est la lyre de la déesse, l'un des attributs divins qui date de l'époque où elle régnait sur cette terre. C'est un instrument mystérieux dont les différentes mélodies possèdent d'étranges pouvoirs. Et ce grand mur que tu vois là, c'est la porte du temps. C'est la dernière qui existe dans ce monde. Elle est l'unique lien entre ici et l'endroit où se trouve Zelda. Ça fait mal. Si tu parviens à la franchir, elle te mènera en un lieu que je ne peux te révéler maintenant. Mais avant cela, tu devras surmonter de nombreuses épreuves et affronter maint danger. Link, tu es l'élu de la déesse et ton devoir est d'emprunter un chemin difficile. Fais chier. Même dehors me dit « Non, pas le chemin difficile !» C'est bien ce que je craignais. Il a brisé le lien qui le retenait. Le Saligo. Je m'attendais à ce qu'il réagisse à l'apparition de la porte, mais je n'imaginais pas que ce serait si rapide. Putain, en fait, les gens sont tellement à fond dans les oreilles que j'ai l'impression que vous l'entendez, c'est n'importe quoi. Bref, Link, nous continuerons à discuter plus tard. Va vite voir ce qui se passe au fond du vallon. Ok, pas de problème, let's go. Il y a quelque chose qui se passe, c'est très grave. C'est très grave tout ça, les gens. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? A l'air d'être le bordel. Bon bref, on va devoir sauter à l'intérieur du vallon. On verra ce qu'il en coûte. Peut-être un cœur ou deux. On verra bien. Ok. Ergo. Qu'est-ce que c'est que ça? La terre tremble sous nos pieds, j'y crois pas! Link, va vite examiner le pilier au fond du vallon. Ok. Le démon pourrait se réveiller à tout moment, il faut en avoir le cœur net. Pas de problème, laisse-moi y aller seulement. Bref. Parachal, ça c'est fait. Et dernier. Voilà.
C'est bien ce que je pensais. Le bagne. On peut pas laisser. Ah, ils veulent pas. Bande de saligots. Bon, ok, on va devoir lui péter les genoux. Le sang a été brisé. Les explications attendront. Pour le moment, il faut empêcher ce monstre de s'échapper. Il ne doit pas s'approcher du temple. Absolument pas. Wow. C'était pas prévu, mais oui, tu peux garder. Tac, 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 on va se débrouiller. Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. C'est fini. Maintenant... Bon, ça va être un peu plus difficile. Ok. Oula, 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 oula. C'était très rapide. Maintenant... Il y a un chemin pour passer en dessous de lui. On s'en fout, on a largement l'espace. Donc, on rentre ça là-dedans. Ça, pas besoin de me le dire, les boches, c'est tous fait. Avec Ninvik, merci d'ailleurs. On avait fait les boss rush, c'était énorme. Par contre, ça, je vais pas aimer le fait qu'il monte un peu trop vite. Donc, let's go. Espérant qu'il ne fonce pas dessus. Non, c'est bon. Il est largement... Il est trop loin pour me faire chier. Donc on va prendre un raccourci. On va prendre un raccourci parce que j'ai la flemme de lui péter les pierres. Espérons que ça marche. Parce qu'il me semble que ça a pas marché là, une fois. Un raccourci. Alors il est où? Il est là. Ok. Voilà, voilà. Alors, évaluation de la distance. C'est bon. 2, 3. Voilà. Yahoo! Ah, je voulais voir si on pouvait lui péter la jambe comme ça, mais non. Apparemment pas. C'est dommage. On va courir de l'autre côté parce qu'on sait qu'il va pas arriver tout de suite. Oh, 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 quoi que. Non, c'est bon. Ça a pas l'air bon. Cours, 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 cours. Cours, 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 cours. Non, c'est bon. C'est passé bien tranquillement comme il faut. Pas utiliser le raccourci, mais on va quand même se débrouiller pour en trouver un. Il y en a un juste à côté. Que du bonheur. Oh, quand même, il est vachement prêt. YOLO. Ah. Il m'a pas respecté. What the... Ok, il a bloqué. On se casse. On lui pète l'arrière, jeu de jambe. Ouais, jeu de jambe. Ça passe. Ça a passé. Voilà. J'ai dit deux cœurs, hein, les gens. Rappelez-vous, au début, j'avais dit... Mais je perdrais peut-être deux cœurs. Pour l'instant, c'est ce que j'ai perdu. Je suis pas... Oui, bon. J'ai récupéré un cœur, mais je sais que j'en ai perdu deux. Ça, je suis sûr à 100%. Allez, 1, 2, 3. Voilà, finoche. Yes. Show me your move. Allez, sois banni dans les méandres d'Internet et aussi des rues pendant qu'on y est. Ah, c'était mon téléphone, je crois. Ouch! J'ai pété le micro. Ah non. En fait, c'est juste que j'ai enlevé le... Le casque, les gens, pardon, excusez-moi, je vais embarquer le gamepad qui coûte 100€. Gamepad qui coûte 100€, vaut mieux pas le péter, c'est la moitié du prix de la Wii U, limite. Non, en fait, j'ai rien dit. Maintenant, Link, utilise ton éclat céleste sur le pilier de pierre, vite! Not a problem. Allez, hop. On y go. Saligo, prends-toi la lumière sacrée de...
J'essaie de trouver un mot stylé, genre. L'épée sacrée de... Ah, fais chier, j'avais pas eu le temps. L'épée sacrée de Link. Je pouvais pas trouver autre chose. Là, franchement, j'étais pas... Oh. Tu veux savoir quelque chose? Je vais te bannir à jamais. Parce que je me nomme... Link. Et que je possède la Triforce du Courage. Prépare-toi. Sois banni à jamais! La classe. Bannir un monstre de la meilleure des manières, les gens, moi je dis. Oh. Ah. Impressionnant, Link. J'ai même pas le temps, en fait, là. Tu as réussi à l'enfermer à nouveau. Même s'il venait de se réveiller, cela reste un véritable exploit. Malheureusement, tu n'as fait que gagner un peu de temps. Va, ah, fais chier. L'énorme monstre que tu as enfermé est un être effroyable. Il est certainement capable de rompre le sceau à n'importe quel moment. Il te reste peu de temps pour accomplir ta mission, Link. Rejoins-moi au temple et nous parlerons. Très bien, madame. Je vous suis. Et putain, enlevez-moi ce truc pour me demander de passer. De toute façon, c'est parce que j'ai appuyé sur un bouton sans faire exprès. Mais bon, pas grave. Bon. Raconte-moi ce que c'est que cette porte du temps. Ça a l'air d'être un truc assez similaire à Ocarina of Time quand même. Regarde, tu ne vois peut-être qu'un vulgaire bloc de pierre, mais en réalité, c'est une porte qui sommeille. Pour la réveiller, il faut un pouvoir bien précis. Et ce pouvoir, c'est celui de l'éclat céleste que peut libérer ton épée. Ah, j'aurais dû dire ça. Mais malheureusement, sa puissance actuelle ne suffira pas à réveiller la porte. Ton épée et toi devez grandir ensemble pour obtenir un pouvoir suffisant. Hein? La forêt de Firon, le volcan d'Ordine et le désert de l'Anel. Il te faudra purifier ton épée grâce aux trois flammes sacrées que referment chacune de ces régions. Quand ton épée aura reçu la bénédiction des trois flammes, elle sera forte d'un nouveau pouvoir. Je ne peux plus parler comme ça pendant longtemps, les gens. Je commence à avoir mal à la gorge. Dans les paroles du chant de la déesse qui se transmet à Salisbourg, ton village natal, sont dissimulés les indices qui te mèneront aux trois flammes. Résous cette énigme et pars à la recherche des flammes. Retourne d'abord à Salisbourg, tu y trouveras forcément quelqu'un qui en sait plus sur le chant de la déesse. J'en peux plus, les gens. C'est dur. J'aime pas trop le reconnaître, mais je crois bien que la vieille a raison. Y'a rien que je puisse faire pour sauver Zelda. Tu comprendras que toi aussi, tu as ton rôle à jouer. Ouais, ouais, à bientôt. Qui que tu sois, c'est ce qu'il dira. Va, Link, pars accomplir ta mission, pars sauver Zelda, car son destin repose entre tes mains. J'en peux plus de cette voix, les gens, j'en peux plus. Ouh. Pas facile. Bon, ça doit faire quelques... failles. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire que mes piles sont faibles? Le chant de la déesse. Il est très probable qu'il s'agisse du chant que chantait Dame Zelda le jour de la chevauchée céleste. La probabilité de... Blablabla. Ouais, bah, ok. On connaît la... Ah, puis, putain. On peut passer les cinématiques, mais on peut pas passer faible. Vous êtes pas sérieux, les gars, sans déconner. Enfin, qu'est-ce que c'est, ça? J'ai vu des plans, donc pourquoi pas. Alors, il faut que je récolte par contre quelque chose, à ce que j'avais compris. Et j'aimerais savoir où on se trouve. Non, merci, c'était quoi? Firon. Il faut que il faut peut-être que j'aille à l'Anel, je crois, pour obtenir ce que je cherche. Mais ça va pas être évident. Ça va même pas du tout être évident. Du coup, les gens, ce que je vais faire, c'est on va se laisser ici sur cet épisode, comme ça je vais pouvoir me
Enfin, après cette cinématique, bien sûr, qui est très petite. Ergo va juste chialer dans son coin, comme d'habitude. J'ai rien pu faire! Rien du tout! Je pompe. Pardon. Excusez-moi. Avec une toilette tête. Je me demande si les cheveux passent à travers le mur en fait. Est-ce que l'animation des cheveux est bien faite? Je veux voir ça. Bon, c'est pas que ça me gênerait, hein, franchement. Ou alors ça passe. Ouais, non, ça passe. Enfin bref, les gens, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cet épisode parce que. Mine de rien, ça fait quand même assez mal à la gorge de parler avec plusieurs voix, faudra que je me rentraîne un bon moment. Je vais chercher ce qu'il me faut parce qu'il me faut une fleur spéciale pour pouvoir continuer l'aventure. Fleur que je vous montrerai où elle est bien sûr, hein, c'est là où d'ailleurs on va commencer l'épisode. De toute manière, c'est un terrain sûrement qu'on aura déjà vu, donc du coup, ce sera pas vraiment difficile de s'y repérer si vous suivez le let's play. Et donc voilà, donc sur ce les gens, on se dit à la prochaine, bonne continuation, allez bye. On se retrouve pour l'épisode 15 de The Legend of Zelda Skyward Sword. Oh yeah!